aussi l'opération coup de poing d'un syndicat de cheminots depuis quelques jours pour dénoncer les fermetures de guichets. Ils chronomètrent en gare les temps d'attente des usagers quand ils veulent acheter ou échanger un billet. La SNCF parle de moins de 30 minutes. Eux comptabilisent parfois jusqu'à 2 heures. Sophie Lançon, Victor Malétroit et Xavier Roman. Des voyageurs qui patientent comme ils peuvent. Obligés d'attendre ce matin 45 minutes en moyenne pour acheter ou échanger leurs billets au guichet Gare Montparnasse à Paris. À l'extérieur, certains passagers aussi le constatent. Les temps d'attente ont augmenté. De plus en plus renoncent même à se rendre au guichet. Je devais attendre 45 minutes pour changer mon billet. Voilà. Alors là, j'ai été voir un contrôleur, j'ai râlé et on m'a changé mon billet. Et si vous n'aviez pas râlé, vous n'auriez pas eu votre train? Ah non, pas du tout. Il faut râler. Vous allez aussi parfois au guichet avec des agents? Les guichets avec des hommes? Rarement. Il y a trop de monde, c'est assez désorganisé. Je préfère tout faire en ligne. Chaque fois que j'ai eu recours, ça s'est toujours bien passé, sauf qu'il y a toujours un délai d'attente, c'est tout. Lorsque la CFDT a sorti son chronomètre cette semaine, à Paris Gare de Lyon hier, elle aurait constaté 2 heures d'attente. À Lille-Flandre lundi, 1 heure et demie. Dans l'Est, à Strasbourg et Nancy, 30 à 40 minutes. Le syndicat continue l'opération ce matin à Paris. La principale cause de ces délais, selon la CFDT, la suppression de 5000 postes en gare. Ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est que l'entreprise fait des choix qui sont essentiellement des choix économiques et qui sont totalement au détriment des conditions de travail de nos cheminots et de nos clients. Selon la SNCF, dès que des files d'attente sont repérées, des agents en renfort viennent aider les voyageurs. Et l'entreprise l'assure, face à la chute des achats au guichet, moins 20% l'an dernier, il est indispensable d'adapter la manière de vendre les billets. Ces images.